Salut tout le monde, aujourd'hui couture. J'ai de quoi faire mon pantalon en peau de serre, donc ça c'est bien. Il en faut pas 4, je crois pas, mais enfin je vais toutes les prendre. Donc les 3 morceaux de peau enfin séchés. Je vais prendre des munitions parce qu'à mon avis je vais avoir faim. Bon, je le laisse là, les gros morceaux comme ça, je vais les laisser là. Je dois avoir des morceaux un petit peu plus abîmés. Bon, ça va dans l'ensemble. Bon, ok. Allez, on va prendre encore un litre de plus. On va braver les éléments. Je fais pas très beau. C'est moins qu'on puisse dire. Enfin, j'y vois quand même assez pour me repérer. Surtout que c'est pas bien long, hein. Faut traverser la rue. L'atelier est juste là. Et là, on sait jamais s'il y a un loup dans le coin. Voilà. Allez, c'est parti. Ah ça, il en faudra 4, j'en ai qu'une pour l'instant. Ça c'est fait. Et voilà. 12h50. On attaque le patron en fait le début. Et là on choisit le nombre d'heures. Quand c'est pour bosser 3 heures dessus. Ouais, 4 heures dessus. Un petit peu de soif qui arrive. La faim aussi. C'est pas grave, j'ai pas. J'ai de quoi résister. Monter au maximum. Ah, parce que. Je suis pas trop fatigué, oh non. Je suis en pleine forme. Si on bossait 5 heures dessus. Bon, je fasse attention, il y a un nid ici, parce qu'il va faire nuit après. Il reste plus que 3 heures, prochain coup, on s'est fait. Il me semble que c'est moins dur qu'avant, ça, ils ont dû le revoir. J'avais plus galéré avant les mises à jour. Moi j'ai surtout soif, mais j'ai pas encore trop faim. Allez, dernier coup de collier, et c'est bon. Quand tu vas faire nuit. Je l'ai. Ça me changeait mon jean tout pourri. Par contre, c'est dommage, je vois rien. Enfin bon, bref. Voilà. Plus 3 degrés. Ça faisait plus que 0,6 s'il était même pas 100%. Alors. Alors. Je suis fatigué, c'est sûr. Au bout d'un moment, c'est bien que ça arrive. Je vais passer la nuit ici. Ça sert à rien de s'embêter à rentrer. Donc voilà, il n'y a plus. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah non, c'est une boîte. Une vieille boîte de conserve qui est déjà fusillée. J'ai tout fait de toute façon ici. Allez, on dort. Après il n'y aura plus que les pots de loup. Les pots de lapin. Tiens, les lapins, il faudrait que je retourne à nouveau à mon piège pour voir si j'en ai pas un dedans. Sûrement, enfin j'espère. Pas de chance, hein, ça veut pas se lever. Du coup, je peux pas aller faire grand chose, ni pêcher, ni aller voir mes pièges. Je me suis un peu réduit à rentrer à la maison.
Alors, ça en est où ça? Tiens, bah ça c'est prêt. Alors, j'en ai plus besoin pour fabriquer des vêtements. Par contre, pour réparer, je vais pouvoir essayer de réparer mes bottes. 27%. Ça c'est fait aussi. C'est long. Ah tiens, oui, j'ai récupéré plein de bois. Ce qui serait une bonne chose. Voilà. Tout virer là. Je vais me sentir moins lourd. Il me reste deux. Allez, petite peau de lapin. Et voilà. Réparation des bottes qui sont plus qu'à 27. Je sais pas, je pourrais les réparer d'ailleurs. Ça demande une peau et un boyau. Et j'ai 93% de chance pour attendre. Il est presque mort celui-là. Yes. 57. Là, je vais pouvoir en mettre un coup. Toujours une pour les boyaux. C'est pas ce qui me manque. Petit matériel de couture. Là, je suis monté à 2,3. C'est reparti. Tac. Non, on va prendre celui-là, je crois que ça merde dans le plein milieu du truc. Ah, j'en ai encore un autre. J'en ai trouvé de partout, ça. Ça va être pour être pareil pour les munitions. Et voilà. Voilà, 3,5. 87%. J'aurai quand même d'autres pots hein, à stocker quand je pourrai, ça sera pas une mauvaise idée. Parce que mine de rien, il faut toujours un petit peu de matériel pour la réparation d'avant ça. Ah, effectivement, ça a l'air d'être quand même un bon spot. Par contre, merde, j'ai vu un loup passer là, ça me plaît pas. De courser. Bah, il course rien, pourtant je comprends pas. Enfin, bon, ça a l'air d'être un bon spot parce que j'ai un lapin à chaque fois là. Ça c'est bien. Alors. Hop. 40 minutes. C'est parti. Il reste plus que 3 jours de. 3 heures de jour. Ah non. Voilà, chat avec le lieu. C'est parti aussi. Merde, j'entends un loup. J'ai pas rêvé. Je vais reposer mon piège. Je change pas une équipe qui gagne, hein, je le remets là. Je vais gaffe en partant parce que ça m'a pas trop plu ce petit boom là. Il faudra aussi c'est des morceaux de bois mais pas les cédars comme on trouve là dessus. Ah c'est ceux-là. J'ai 45 minutes. Je retournerai en prendre. Parce que ça me sert. Oh, merde, avance. On va insister. Ça me sert à réparer ma hache, mon couteau. C'est intéressant. Alors je sors de la baraque, direct un ours quoi. Heureusement ils ont pas l'air trop agressifs hein, par rapport enfin je dis ça. Oui, je me casse. Moi je joue ou quoi? On va faire un petit peu tout drôle. Donc je vais aller chercher mes petits morceaux de bois. Pour réparer les armes.
Puis je rentre à la maison, hein, parce que de toute façon j'ai plus trop de flotte. Et là j'ai pas moyen d'en trouver ici. Bon déjà, je vais quand même regarder si j'ai bien rechargé. Ah, c'est mes dernières balles. Ok. Attention. Puis si j'ai beaucoup de chance, j'ai peut-être tué un lapin pendant la nuit. Bon, ça va être ce morceau-là. C'est bon, c'est ça. Les câbles, ça c'est fait. Un petit piège à lapin, je regarde quand même. Mais si, il y en a. Super, déjà. On les récupère super vite ici, ça c'est vraiment parfait. Alors ça dépend des animaux, ça a l'air de se récupérer mieux au couteau ou à la hache, suivant la bestiole, bizarre. Bon, ben on va rentrer tranquillement à la maison. Impeccable, je suis arrivé au bercail, j'ai pu boire et manger, ça devient urgent. Alors donc, les morceaux de bois que j'ai récupérés, associés, deux morceaux dans le doute, un petit morceau de métal. Et donc les outils, ça va me permettre de réparer ma hachette, parce que pour l'instant j'en ai qu'une, et si je la perds je suis vraiment dans la merde. Voilà, c'est ce morceau là qui me fallait. Fail, je sais pas pourquoi ça fail alors que j'ai 87% de réussite. Ce que je vais faire, il me semble bien que j'ai... Ah bah il me semblait que j'avais des outils supérieurs. Je les ai peut-être laissés... Merde. Je vais aller voir ça. J'ai laissé dans le... Ouais, regarde. Ça fait chier. C'est pas la première fois que j'essaie, et du 4 ans avec elle, ça fait 3 fois que je me plante, y'a quand même un malaise là. On va voir ça tout de suite. J'espère hein, que je les ai bien laissés là. Ouais, c'est ça. Les outils de qualité. Alors, on recommence. Action, réparation. Avec les outils de qualité, 95%. Bon, ça m'augmente le pourcentage de succès, c'est tout. Pour moi, là, ça a marché. Voilà, 78. C'est toujours mieux. Parce que si je la perds, moi, je suis foutu. Hein. Je peux plus couper de bois, et sans bois... Et ben on va pas loin dans le jeu. Alors je vais me faire un petit essai de pêche sur une cabane éloignée. Donc celle qui est carrément derrière les deux monticules là, il y a les chalets. Je vais voir si on prend d'autres poissons, est-ce que je prends du plus gros quand je suis plus au milieu du lac. Voilà. Là, j'ai deux loups dans le secteur, j'espère qu'ils vont pas venir me faire chier. Tiens tiens, j'étais jamais venu à celle là-bas. Là. Bon, j'y suis. Oh, il y a un fusil. Oh, des balles. C'est bien. Ah, des plumes. Ah, je vais pas pleurer, hein. C'est mieux que rien. Mais... Ce qu'il me faudrait, c'est une boîte de cartouches carrément. Non. Ouais, mais ça va être lourd. Enfin bon, bref. On verra ça après. Tiens, je peux même utiliser. Je sais pas s'il y a un des outils qui a plu, casser la glace.
Enfin bon, allez, on s'envoie 3 heures de pêche. Parce que je vais avoir des gros saumons de plus de 5 kilos. Bon, ça commence mal. Une truite. Non. Bon, moi, je suis en positif grâce à mes vêtements. C'est une bonne chose. Je bois un petit coup. Moi, j'aurais toujours été récupérer un fusil de rechange. Ah, mais d'accord, j'ai plus de ligne. Merde, faut que j'en fasse une. Ah, la boulette. Je serais pas venu pour rien, j'aurais au moins trouvé le fusil, du bois, et des trucs. Et j'ai vu que ça a pas l'air d'être meilleur. J'irai pêcher plus près de chez moi. Hein. Merde. Un loup, récalcitrant. Oh putain. Hey, oh. Je lui ai mis une balle. Il est bien blessé, il perd du sang. D'ailleurs, je me demande s'il va pas aller crever ailleurs. Je l'ai quand même touché. Il a trouvé moyen de pas lâcher le morceau, le salaud. J'en suis où? Je pense que je suis esquinté. Voilà, gagné. On va se soigner tout de suite. Déjà, on n'a plus perdre de sang, ça serait une bonne chose. Ça réagit jamais deux fois pareil. Hein. Parce que là, il a pas eu peur. Il s'est pas enfui malgré malgré la balle. Pas le coup de feu. J'ai un petit chalet là-haut, c'est le plus proche. Je vais aller me reposer là-dessus et récupérer mes points de santé. Parce que bon, c'est toujours dangereux. Je risque n'importe quand une attaque et puis du coup de mourir. Et là, je perds tout. J'espère qu'il n'y a pas de loup. Sur la montagne parce qu'il n'en joue rien. Le chalet est là. C'est bon, je suis sauvé là. Ok, et ben on va se quitter là pour le moment. Je pense que la prochaine fois j'arriverai à finir enfin mes vêtements. Comme ça je pourrai changer de zone. Allez, salut tout le monde, à plus.